4 téléportations plus tard, nous y voici, monsieur, nous y voilà. On y arrive. Juste être très patient, ça prend un certain temps. Faut pas avoir la fougue de la jeunesse. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit vieux? T'es pas en forme, visiblement. C'est fait. Johnson est mort? Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. T'as pas spécialement essayé de le tuer non plus. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. Clairement. C'était inutile. Du sang inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire. Ça, c'est typiquement genre de phrase, on va le regretter plus tard. On va le bouffer. Le gars va revenir plus fort. Il va nous casser la gueule. Ganondorgon, que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? Le grand méchant est revenu. William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait? On a détruit le thé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Je te l'avais dit. J'aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Ça aura mis 6 mois à pouvoir te le dire, mais je peux te le dire. J'avais raison. Sais-tu où a lieu cette rencontre? Toujours écouter la confrérie. Dis-moi que je dois pas me téléporter. Oh putain. Oh, ça c'est vraiment, mais c'est débile ce système. Il y a vraiment pas moyen de autrement que de me téléporter 15 fois à chaque fois. C'est complètement débile. Mon dieu. Bon, je crois que je me téléporte qu'une fois là, ça va. Parce que normalement la zone suivante c'est les Indiens, me semble-t-il. Mais ouais, c'est pas le move du siècle ça par contre, c'est ma téléportation. Est-ce que c'est bon? Du coup non, j'aimerais me re-téléporter. Je crois que c'est bon. Je vais me faire 6 téléportations pour finir ma mission et commencer la suivante. C'est incroyable. Oui, je vais me téléporter, putain. Je peux comprendre, il y a 12 ans en arrière. Mais là sur le remaster, ils auraient pu faire quelque chose quand même. Ils auraient pu faire mettre des efforts, je sais pas. Ok, c'est enfin ici. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que c'est vraiment là le téléporteur, je suis en train de me dire. Oh, Bambi! Reviens! Oh, Bambi x2! Ah merde, Bambi fait mal. Tu peux tuer Bambi, sinon? Voilà, fin. Non, tuer, j'ai dit. Non. Tu l'as eu, Bambi, ou pas? Bien sûr qu'on l'a eu, tu m'as pris pour qui? Nous, on a un tueur de Bambi, monsieur, et moi, c'est... Oh là 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 là, magnifique. Tu peux me dépecer, Bambi. T'as pas eu de plantage? Non, aucun. Donc, tu vois, ça semble pas être mon PC, c'était vraiment le jeu full buggy. Parce que j'ai pas eu un seul plantage, là. Montage cheval, oui. C'est toujours plus pratique, un cheval, monsieur. On n'a pas eu un seul plantage... Non, c'est sûr, pas un seul. Voyez-vous comme quoi c'était bien le jeu qui est codé avec des couilles. Bioshock, Hitman. Codé n'importe comment. Surtout que là je suis en ultra. On a fait quand même pas mal d'heures de jeu. Nouvelle mission. Est-ce qu'il va juste le tuer et prendre son argent, ce serait bien. Proposition comme une autre, mais je trouve le concept assez intéressant. Voyez-vous. 220 mètres. Oh oh. Ça suffit pas à le tuer, Bambi? Sinon, j'aurais pu prendre un arc. Mais je suis pas certain de l'efficacité de la chose. Je me dis que pour tuer un Bambi, c'est quand même plus utile. Mais arrête de bouger dans tous les sens, Bambi. D'accord. C'est vraiment pas fou, en fait, finalement. Je vais trop loin, tu crois? Il faut mourir, Bambi! Oh non, j'ai de nouveau le... Ah non, c'est pas un bug, c'est le truc qui est en train de me balancer. Moi, je voulais mon Bambi, saleté. Vite, 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 dépêche. Je veux juste dépêcher. Regarde, moi. Ok, je crois que le jeu m'apprécie pas trop, là. Peut-être que je m'occupe de ce qu'il me demande. Parce qu'il a l'air de s'énerver, monsieur. Du coup, je fais comment? Comment j'accède à la zone là-bas? Soit on passe là. J'ai pas envie de tout escalader, j'ai encore moins envie de faire le tour. Ah.
Vraiment? Ça va pas être... Oula. Ça va pas être le truc le plus fun du monde, là, de traverser. Globalement, monsieur. Ça risque d'être un peu chiant. On se fait attaquer par des oursons. Ah, bah l'ourson, il a l'air d'avoir peur de... mon arme, donc tout va bien. Bah alors, l'ourson, on est coincé? Bah alors? On a peur des armes à feu? On a un petit bébé? On a un ourson pour enfant? Je vois ça? Non, non, je vais pouvoir faire un tir automatique, c'est peut-être plus simple. Peut-être... J'ai presque plus de balles, par contre. Est-ce que récupérer une peau d'ours, ça pourrait être un plus? Ah. Tu veux pas te fight? Tu veux pas qu'on se fight? Vas-y, fais-y. Viens, je te donne un gros coup. Non, tu veux vraiment pas? Allez, tape, 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 tape! Mais tape-le! Ouais, quand même. Tu annonces avec une arme secrète. Défi de chasseur. Ouais, on l'a tué avec la lame secrète. Avec rien d'autre. Il a tout pris. Le gars, il a rien laissé. Pas un centimètre de viande, plus rien. On ne meurt pas, s'il te plaît. Bon, on a presque plus de munitions. On doit se retaper tout le chemin. Mais bon, c'est pas la fin du monde. On fera avec. On fera avec, messieurs. Viens, on se fight. Allez, viens, ma gueule, on va se fighter. On va voir qui c'est le plus beau. Tu vas me respecter, saleté. Ouais, par contre, malheureusement, on est surcramé. Disons que la subtilité est pas forcément présente. Après, à quoi bon être subtil quand on est beaucoup trop puissant? J'ai envie de te dire... Attends, tu peux prendre le monsieur, là? Voilà. Merci, c'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi d'aider... pour le bien-être de la nation, enfin. Il y a un monsieur pas très sympa de l'autre côté, mais j'ai la flemme d'y aller, voyez-vous. Je vais récupérer des munitions, logiquement. Cartouche 6. Ah oui, tu te mets bien. Les cartouches, c'est abusé. Tu récupères tellement ton stuff comme facilement, comme ça. Du coup, c'est par ici, tu crois? Faut remonter sur le côté gauche. Puis lui... Quoi? Du bruit? Non, j'ai rien entendu. T'es sûr, Philippe, qu'il y a eu quelque chose? Moi, de mon côté, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Bon. Conférence Xbox Battlefield 2021 devrait y apparaître après une semaine chargée. Effectivement, j'imagine qu'il y aura peut-être une exclu... Enfin, exclu. C'est le partenariat qu'ils font comme ils font souvent. En mode optimisé pour Xbox Series X. Mais surtout, la rumeur voudrait qu'il n'y ait pas de numéro. Est-ce que c'est juste un choix comme ça? Ou est-ce que c'est un choix qui serait pour un Battlefield Service? Dans le sens, c'est un Battlefield qui durerait des années. Allez savoir. On verra bien. Ce que ça donne, par contre vraiment, on est sur l'IA la plus conne du monde. Et pour rappel, on peut pas choisir difficulté, vraiment c'est... le jeu est comme ça, point. Et on en a vu des IA connes, mais alors là... C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Voilà. Qui est le suivant? Qui est le suivant, monsieur? Il y en a juste là. Voilà. Ça, c'est un assassin, monsieur, en vrai. On le fait à l'ancienne. T'es pas vraiment censé me voir, en fait. Est-ce que tu es très con, je te rappelle. Battlefield, la bagarre. La bagarre. Il y aura du Battle Royale. Peut-être enfin un effet sur du Battle Royale régulièrement. Ça peut être assez dingue sur un Battlefield. S'il est bien fait, pas comme le dernier. Ça peut être le feu, monsieur. Ah! Mais du monde, dis donc! J'avais pas fait gaffe, on est peut-être un peu repéré. Après, repérer, c'est toujours très relatif! Vu la simplicité, mais bon, on est un peu repéré quand même! Ah, je valide totalement par contre la hache. Je ne cache pas que pour moi, la hache, elle fait largement son taf. Oh, joli! Monsieur veut se la péter! Eh bien, monsieur est mort! C'est l'avantage! Allez, voilà. Et d'ailleurs, ils ont récupéré, c'est qui? C'est le directeur de Call of Duty, un truc comme ça? J'ai vu ça ce matin. Ils ont engagé un des big boss de Call of. C'est pas forcément très positif, j'allais te dire, vu le modèle économique de Call of. C'était peut-être pas forcément la direction à prendre. Enfin, vu que c'est IA, oui, c'est la direction qu'ils vont prendre. Mais ça fait peur. Bientôt, enfin, en même temps, les cas, c'était déjà. Allons, du calme.
N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces mais fausses. Douces mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. J'aime bien l'idée. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Full corps, je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussé. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. Tu nous menaces? Opération microtransaction, oui. C'est exactement ça. Littéralement. Johnson, tu vas... Ah merde! Oh non! La tristesse! Ah, j'ai choqué. Je voulais faire un peu de façon ninja. Par contre, la caméra, elle est en train de paniquer. Je vois rien. Je sais pas quand je vais appuyer sur les boutons. Je ne vois rien. Voyez-vous. Ce qui est techniquement problématique. Pas te cacher. Pas voir grand-chose peut vite devenir problématique. Ah, tu sais, il ramasse l'arme. Il se dit, se battre avec une arme, c'est vachement plus pratique. Et il a raison! Quel homme! Ah, il faut mourir un moment. Non, faut mourir. Toujours pas. Peut-être, éventuellement. Merci. Non, parce que parfois ils sont un petit peu costauds, on va pas se cacher. Allez, ça dégage. Oh, la petite baffe. Oh, ce manque de respect. Il est en plein fight avec des armes et le gars il met juste une petite baffe en mode. Non, vraiment, je ne te respecte pas. Tu vas juste mourir, celle-ci. Non, tu peux crever un moment. Non, parce que bon, ça devient long là. Aïe Laisse-moi taper. Oh, je suis en train de crever en plus, pourquoi? Mais j'ai pas pris le coup. Non, 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 j'appuie pour me défendre, j'appuie pour me défendre, j'appuie, il se défend pas. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons gérer la situation de manière calme et posée. Un coup de hache dans leur gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas une excellente idée quand même. Attends, il y a deux games, ils sont en dessous. Du coup on s'en fout, ils sont trop loin. Quoique, ils vont venir se battre après. Après coup. Fin. Oh, c'est bon ça. Laissez-moi le temps de casser la gueule un peu au maximum de personnes. Bon, qui est le plus dangereux ici? C'est qui le chef déjà? Il est plus là? Bon, écoute, ça va partir sur un énorme gant. Ouais, c'est violent quand même là. Vous êtes beaucoup, messieurs. Ah non, mais arrête de prendre des vieux coups. Et la caméra, mais les... Putain, mais la caméra, c'est moi qui fais ça, c'est la caméra automatique qui fait des trucs chelous. Je sais pas pourquoi, à ce coup, elle part de l'autre côté. Ce qui est... Et d'ailleurs, ils sont sympas, ils me laissent, ils y vont un par un. C'est gentil de leur part. Ah non, mais arrête de prendre des vieux coups. J'arrête pas de prendre des trucs tout nuls. Voyez-vous. Ouais, ceux-ci sont vraiment chiants, ils sont très durs à... J'ai beau... Attends, est-ce que tu peux... Ouais, tu peux un, ça va toujours ça. Ah, il est même pas mort, d'accord, ils sont que ça en plus. Non mais, vraiment, faut mourir à un moment. Faudrait mourir. Vous me laissez recharger, c'est gentil aussi. Ils sont buggés ou ça se passe comment? Ils vous arrivent quoi, les gars? Vous me laissez recharger... Attends, c'est gentil, il leur part. Ah, il se barre, le gars. Merde, 140 mètres, t'as raison. Je vais laisser du coup ces délicieux PNJ buggés attendre. Ils en ont rien à foutre, on l'a pas dit de... Effectivement, t'as raison. Il fait que ça n'a rien à foutre. Est-il pas que le gars est juste en train de s'enfuir? Ah merde. On pourrait s'en douter en même temps. Est-ce qu'il y avait une seule chance que je ne chope pas ça? Je crois pas. Je ne crois pas, monsieur. Ok, donc quand il s'enfuit, cette fois, fais gaffe, pas besoin de les fight tous. Non mais, foutez-moi la paix. Vous êtes des fragiles, vous. Ah mais putain, mais... Fragile, j'ai dit. Putain, mais ils font chier. Je prends tous les coups, je vais mourir. Putain, mais... Vous me brisez, voilà. Tiens. Et tiens. Voilà. C'est bon? Est-ce que je peux pourchasser le monsieur maintenant? C'est gentil.
Vous attendez l'or pour la bagarre quand vous serez dispo. Ah, les types, ils n'avaient rien à faire. Ils avaient peur spécialement. Faut que j'arrête de sauter comme un débile profond. Faut qu'on fasse des efforts. Faut qu'on fasse des efforts. Mais en même temps. On est juste là. Y'a pas moyen. Je passe par la route, tu crois? Le problème, c'est qu'il y a ces gardes qui vont me voir. Après, est-ce qu'on s'en foutrait pas totalement? Non, d'accord, j'ai dit totalement. Ça veut dire qu'il faut le laisser. C'est-à-dire que si je le faille, je perds beaucoup trop de temps. Allez, on s'en fout. On s'en fout des... Ah, ça passe, ça passe. Ça passe, tranquille. Ça repasse. Toi, pourquoi avoir peur? Non, faut tuer le monsieur. Non? T'as pas envie? Mais putain, mais tue-le! Oh, bon, laisse tomber. Il s'en fout le bug. Bah alors, mon monsieur... On a passé une seule journée. On a mis que 3 essais pour y arriver. Mais au final, il est mort. Ah non. Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles, quand ils ont besoin de nourriture. Ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que les champs ne suffiront plus, quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Pas faux. Le monde est ainsi fait. Et il a pas tort. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Attends, il n'a pas forcément un mauvais fond. Et pourtant, tu les tuais. Oui, car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Toi, il était pas si mauvais que ça, au fond. Il voulait le bien. Bon, un bien particulier, mais un bien quand même. On a tous une touche de bonté en nous. N'est-ce pas, enfin. Je t'avoue que ça me faisait rire. Mais c'était con, maintenant je suis recherché. Mais ça me faisait rire. Mission accomplie, monsieur. C'est le GG. C'est la perfection, enfin. Bon, on a juste une notoriété un petit peu violente. C'est l'inconvénient. Séquence 6 terminée. Ah bah voilà, on attaque la séquence 7. Je crois que je pourrais enfin acheter une vraie épée. Une épée française. Bah du coup, elle va trop cher. Est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera. Et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver. Et lui ôter la vie. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé. Mais je ne ressens que le remords. Que la tristesse et le remords. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? Attends, mais donc son père, c'est vraiment méchant? Parce que moi, il a dit son père... Ok... Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? Monsieur Revere habite à Boston.
Si vous voulez, je... C'est bon, monsieur? Nouvelle tenue, mais les tenues, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est des armes badass. Oh non, on est reparti pour 14. On doit retourner à Boston. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. C'est parti pour 5 ou 6 téléportations. Dans le fun et la bonne humeur. Et imagine à l'époque où t'avais en plus un vieux disque dur sur une Xbox 360. Tu dois attendre 50 secondes minimum, c'est pas plus. Et tu faisais ça, voilà, tac, tu te téléportais là pendant une minute. Tu faisais tes 10 mètres. Tu repartais pour une ou deux minutes de chargement. Ça doit être... Déjà, c'est casse-couille, mais alors à l'époque, je n'osais même pas imaginer. Comment est-ce qu'ils se sont pas dit, hey, on va faire un lien direct. Genre, tu peux choisir dans le menu d'aller à Boston directement. Plutôt que de faire 14 téléporteurs. Du coup, là, je dois me re-téléporter là. C'est complètement con, putain. C'est incroyable qu'ils aient fait un truc pareil. Voilà, là, maintenant, je peux retourner là-bas. Ah, c'est bien ça. C'est... J'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo. Comment est-ce qu'ils ont pu se dire que c'était une bonne idée? C'est quelque chose. Au moins, on a une expérience, monsieur, une expérience complète. Et là, c'est un re-téléporteur ou j'y suis? Non, j'y suis pas, c'est encore une téléportation. En plus, je dois courir comme un con pour y aller. C'est une autre zone, ouais, c'est une téléportation, non? Me semble-t-il. Ouais, c'est vraiment ça, c'est... Dans leur tête, je suis sûr qu'ils ont même un concept, ils se sont dit, vas-y, comme ça, quand il va, ça donnera vraiment l'impression d'avoir fait le voyage. Et maintenant, je suis là, et maintenant, je peux me re-téléporter enfin en ville. Incroyable. C'est ça c'est la mission, attends, j'ai où un téléporteur, là. C'est vraiment incroyable. Attends, j'arrive pas à me téléporter. Mais, t'es con? Mais je peux pas me téléporter. Ouais, je rapide. Les ex, c'est pas des téléporteurs. J'ai fait combien de téléportations là? 5? Enfin, c'est incroyable. Attends, après, tu auras 2 téléportations en plus. Ah, je croyais qu'il y aura plus que 2 téléportations. Non, j'en aurai encore en plus. Putain, mais ils sont complètement. Ils sont à la ramasse. Je sais pas si c'était un problème technique à l'époque. Non, mais même, c'est pas un problème technique, je veux dire. C'était vraiment un choix artistique pour te faire ressentir le voyage et la durée que ça prenait. C'est complètement con. J'ai pas de mots. C'est incroyable quand même. Ouais, j'y suis. Oui, après 18 milliards et demi de téléportation, nous y sommes, monsieur. Comment rendre la durée de vie du jeu plus longue? Obliger le gars à se téléporter pendant 10 minutes. Quelle joie. Il y a un concept. De te voir. Permets-moi de te présenter William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde, pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Ah, dans ce jeu, les aigles ne sont pas des téléporteurs, c'est des voiles juste qui n'ont des d'intérêt. Centaines de soldats sous ses ordres. Ah. Tu ne pourras jamais le combattre seul. Mais ne crains rien, okay. Tu ne seras pas seul. Merci bien. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Mais quoi, là? Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. 2 lanternes si notre ennemi vient par la mer. Avec plaisir. Vois-tu... Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons. Bon. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai peur. Frontier, 18 avril 1700. Ah. 75, c'est ça? 75. Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons chevaucher ensemble. Très sexuel tout ça, monsieur. Prends les rênes, je t'indiquerai le chemin. Vite, Connor, monte en selle. Je suis un peu occupé, je sais pas si t'as remarqué. J'ai empêché notre bateau de se barrer. Je dis ça, je dis rien. Je te guiderai vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus.
Du coup, là, par exemple, j'ai un téléporte. Enfin, c'est pas un téléporteur, du coup, c'est juste les infos. Sur une zone qu'on. On s'en fout totalement, du coup. Non. On doit aller où? Ah, je veux bien suivre des inscriptions, parce que, mais pour faire quoi? Je vais où, quoi, comment? Pour alerter les milices. Nous sommes sur la bonne route. C'est bon, bah c'est déjà ça. Il n'y a pas de problème, monsieur. Par contre, c'est un tout petit peu sombre. Et un tout petit peu bien gardé. Tunique rouge. Qu'est-ce qu'ils font ici? Mais rien du tout. On s'en fout, on passe tout droit, on est à cheval, on est plus rapide. Ils ne pourront rien faire, messieurs. Rien faire, je vous dis. Nous sommes sauvés. T'as les trois cons qui me courent derrière. Est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent pas me rattraper? Est-ce qu'ils vont seulement comprendre? Enfin, je dis ça, mais ils sont juste derrière. Ah, merde. Ah. À gauche, Connor. À gauche? Bah, je veux où tu me dis. LB pour demander ton chemin. Tourne à droite. Ah oui, effectivement. Oh, cette technologie, monsieur. Cette technologie moderne. Mets ton pied à terre. Nous serons plus discrets. Si tu veux. Il n'y a pas de souci. Et je vais faire quoi? Donc là, on a quoi? Des tomates? J'imagine. Ouais, c'est des tomates, tomates, salades. Est-ce que je dois tuer des gens ou non, les gentils? Non, parce que dès qu'il faut tuer des gens, moi je suis le premier. Voilà, à la limite. Autant leur flinguer. Enfin, ça en même pas compte, magnifique. Magnifique, monsieur. Ah bon, merde, il reste le meilleur. Il reste le meilleur. Mais c'est pas grave, parce qu'on lui casse les fesses quand même. Remonte sur ce cheval, Connor. Quoi? Pourquoi donc sur ce cheval? Tu vas te calmer, gamin? Tu m'as dit d'aller à pied. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Trouver la première maison des miliciens. Bah, c'est là-dedans, non? Tu veux qu'on aille où? Connor? Oui. Oui. Tu veux faire quoi? D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'on est dans la zone, donc tu veux que je fasse quoi? Mais remonte sur ce cheval, Connor. Mais j'ai pas remonté sur ce putain de cheval, tu m'as dit de descendre. On y est? T'es complètement con, gamin. C'est quoi ton problème? Bah, montons sur ton cheval si tu veux. Mets ton pied à terre, putain. Nous serons plus discrets. Monte sur ce cheval! Descends de ce cheval! Non mais calme-toi, bordel! Est-ce que je peux taper? Je peux pas y a pas. Non, je peux pas taper à la porte. Peut-être ici? Il y a plus d'effort à un moment. C'est cela! Nous sommes au bon endroit! C'est pas comme j'y étais il y a 30 secondes. Mais bon, cette fois c'est la bonne. Tout à l'heure c'était pas la bonne. Prévenez tout le monde! Les soldats marchent sur Lexington et Concorde. Les Anglais arrivent! Les Anglais arrivent. Remontons en selle, Connor. Préparez-vous à vous battre. D'autres gens à prévenir. Ça va être compliqué. Il va falloir être musculeux, être puissant. Vraiment? Mais ta mission est très chiante, en fait. Disons que le fun est à peu près aussi présent que de peler une pomme. C'est très utile, mais c'est pas très rigolo. Voir une patate. Patate, c'est pire qu'une pomme, même, à la limite. Donc aussi marrant que qu'une pomme. Par là, Connor. Par là? Pas très précis. C'est que je suis devant toi, en fait. Par là, Connor. Donc c'est vrai que dire par là, c'est pas fou comme un indicateur. C'est quoi, d'ailleurs, le... Vite, cachons-nous. Oh, mais rien à faire, on est plus rapide. C'est quoi, du coup, l'indicateur... tu sais, la bande horizontale, là, sur le côté. Enfin, verticale, plutôt. Pas horizontale. Tu veux aller où? Continue. Continuons, très cher, nous y arrivons. Ils ne peuvent pas nous rattraper. Nous sommes bien trop rapides pour ça. Ouais. Il y a une maison avec un animal. C'est quoi? Salut, toi. Bah écoute, est-ce que je peux juste venir te dire bonjour? Aïe. Bon, tu butes mon cheval, on va pas être potes. Je le dis tout de suite. Remonte sur ce cheval, Connor. Non mais attends deux secondes, juste de l'information. On est dans une nouvelle zone, il y a un petit ours là. Petite tache de... Enfin, un pied d'ours.
Je veux de l'information. Non, c'est une mission, d'accord, pas du tout. Du coup, non, t'avais totalement raison. La barre de vie. Non, t'es au-dessus du pistolet, il y avait une ligne horizontale. Continue. Verticale, pardon, nouveau GIFO. Ligne verticale. Mets ton pied à terre. Nous serons plus discrets. Putain, t'es vraiment chiant. C'est incroyable. C'est incroyable. Deuxième maison des miliciens. Bah écoute, est-ce que ce serait pas celle-ci? Non, c'est pas ça du coup. Ça manque un peu de maison par ici. Reste à l'affût des tuniques rouges. Ils font pas spécialement peur, je t'avoue. Faut pas que je sorte de la zone jour. Donc non, ce serait pas ça. C'est où ta fameuse maison? Là, elle s'affiche plus. Je sais pas, tout à l'heure, ça affichait au-dessus du pistolet. Il y avait un truc. Je ne sais point pourquoi. Celle-ci peut-être? Non? C'est ta maison ou pas? Oh là, il buguait par la barrière. Non, la barre là, on la voit pas. Elle était, c'est une grande barre où il y avait des ennemis à l'intérieur. Je sais pas, c'est bizarre. C'était bizarre, j'ai pas trop compris. Allez, dis-moi qu'on y est, s'il te plaît. C'est cela. C'est bon? Nous sommes au bon endroit. Allez, vas-y. Fais ce que t'as à faire. Faites passer le mot. Les soldats du roi arrivent. Les soldats arrivent. Veuillez vous préparer. Le combat sera ardu. N'est-ce pas, Fon? Je suis terriblement en hésitation sur de commander du miam miam. Un petit burger, monsieur. Voyez-vous. Encore une maison. Wow! Mais continuons l'amusement, messieurs! Continuons! C'est tellement fun de courir à travers une map pour dire « Les soldats arrivent! Préparez-vous !» Ils avaient de l'idée dans le gameplay, là, y a pas à dire. C'est sûr que c'est bien plus original que des missions de livraison UPS. Et à chaque fois avec un régiment de méchantes personnes, que de toute façon... Mets ton pied à terre. On s'en fout parce qu'on passe à côté. Ah, peut-être devoir fight, par contre, là. Ça va peut-être partir en fight, monsieur. Non, c'est pas la bonne, c'est pas la maison, ça. Bon, bah, ça va partir clairement en fight. Voyez-vous, veuillez les découper en morceaux. Voilà, efficacité, rapidité, tout ce qu'on aime. Il peut mourir, le gros monsieur, là. Pas grand, puisque gros. Attends pour moi. Ah, ouais, par contre, il est un peu résistant. Oh, c'est son pote qui a pris le coup de hache, magnifique. Splendide. Bah voilà. C'est quand même pas si compliqué. Dans la caméra, pour elle, c'est très compliqué. Mais pour nous, c'est une simplicité déconcertante. Voyez-vous. Bon, déclenchez pas de conflit, forcément, c'est un peu cramé. Je peux comprendre. Ce n'est point grave. C'est bon? Allez, let's go. Garde confiance et confiance dans ton futur. Et le futur t'aimera. C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Le bon endroit, ça rappelle... Ah, comment s'appelle la série sur Netflix, Le bon endroit? Où t'es dans un pseudo-paradis. Ah, j'ai plus le nom. Les tuniques rouges sont... Là. Nous sommes là. Attrapez-les. Nous sommes là, sale traître. Faut se débarrasser de ces soldats. Vraiment? En fait, moi, j'aurais pu juste leur casser la gueule. Bon, bah, Il faut se débarrasser de ces soldats. On est à cheval, ils sont à pied. Ok, c'était surprenant. Mais écoute, allons leur casser la gueule, c'est vraiment ce que tu veux. Je vois que tu aimes prendre l'initiative. Y'a pas de problème. On est censé faire ça à temps. Est-ce qu'on a une chance d'y arriver à temps? J'ai des doutes, mais bon, cassons leur la gueule à l'ancienne. Et nous prenons pas la tête, monsieur. Voilà. Non mais arrête de taper, saleté. Mais... Non mais ils sont un peu chiants là. Vous commencez à me faire mal. Vous commencez à me faire mal. Ah, ça passe. C'est bon? Non, c'est en fait moi à la base, je voulais juste me barrer. J'avais une vieille mission à faire. Et ça part sur un carnage. Aïe. Bon, j'ai un truc sinon. Il s'en est vraiment fallu de peu. Heureusement que je suis là. Essayons d'éviter d'autres mauvaises surprises.
Qu'est-ce que tu ferais sans Qu'est-ce moi Qu'est-ce que tu fais? Je recharge mon arme, tu sais l'arme qui t'a sauvé le cul. Voilà, je suis occupé à faire ça. Je dis ça, je dis rien. Attends, monte à cheval. J'en sais rien, mon bouffe. Alors. Allons-y doucement, mais sûrement. La question c'est, est-ce que c'est loin? À gauche, connard! À gauche, mais crie-moi pas dessus, parle-moi bien d'abord! Magnifique! C'est la bonne route! Tu vois, t'en es capable. Faut juste y aller doucement. Mais tout est faisable avec un peu de confiance en soi. Je vais faire quoi ici? Échapper l'embuscade. Je dois tanner quelque part? Je vais faire quoi? Ouais. Oui, nous sommes exactement où il faut. Peut-être un truc plus précis? Parce que je t'avoue que c'est quand même pas fou comme indicateur. Continue! Ceux qui vont se faire extrêmement noir. Enfin sombre. Ça va être ça, j'imagine, la maison là-bas. Mets ton pied à terre. Nous serons plus discrets. Enfin, discret. Vu la vieille mission, laisse-moi le temps. Et du coup, c'est quoi? C'est encore une maison? Ah, c'est encore une bonne. Encore une maison de miliciens. Oh oh oh! Les Anglais arrivent! Le bon endroit. Le bon endroit, monsieur. Tout va bien si nous y sommes. Oh non, les Anglais sont déjà passés. Mais où diable? C'est une catastrophe. Je suis sûr que nous sommes au bon endroit. Sûr et certain. Comment elle s'appelait cette série? Ray Scott? Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Écoute, les tuniques rouges arrivent. Tu dois rallier tes hommes. Et. Va vite t'habiller. Tout de suite. J'avoue que ça serait bien de mettre un pantalon. Je suis pas contre. Je ne suis clairement pas contre, monsieur. C'est bon? Attends, deux petites secondes, juste. Finir d'écrire ça. Voilà, monsieur. C'est tout bon. Alors, on va pour manger ce que je fais. Du coup, est-ce qu'on fait une mini pause? Je vous mets un replay le temps de manger, je sais pas. Pour manger tranquille. Ou pas. On verra ce qu'on fait. Alors. Lorsque Paul est... On s'en fout. D'accord. J'ai pas envie de connaître ton histoire. Je veux juste qu'on avance, nous, monsieur. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Attends, la maison Coq à Cleggingston. C'est la maison ici? En fait, on y est. Non? Oui? Non, d'accord, c'est juste le chemin. Autant pour moi, monsieur. Par contre, le problème, c'est que ça coûte super cher, les bonnes armes. Et qu'on est extrêmement pauvre. Moi, j'aimerais bien me faire avoir une petite épée à 3000 balles, un truc bien, quoi. Mais ça coûte une petite fortune, malheureusement. Bienvenue à Lexington, Connor. Il ne reste plus qu'à trouver Hancock et Adams. Tout à fait. Aucune trace de Dawes. J'espère qu'il va bien. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a sûrement une catastrophe qui a dû se passer ici. Sûrement les rouges qui sont déjà venus. C'est bon? Est-ce qu'on peut y aller comme ça? On peut y aller sans problème. Paul, Connor, content de vous voir. Vous devez partir, les tuniques rouges arrivent. Oui, William nous l'a... Je crois qu'on l'avait compris. Qu'ils mènent leur perquisition. Ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mais il vous droit. Dawes et moi allons poursuivre vers Concord. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot. Ok. Ben écoute, allons-y. Je t'en prie. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, est-ce que je vais me téléporter? Je vais faire quoi? Dis-moi! La mission accomplie, ça c'est bien! Mais quelle est la suite? Où est-ce que c'est? Attends, c'est à côté de... Non, c'est bon, c'est à côté. C'est juste là, visiblement. J'espère que ça va être une mission un petit peu plus violente, quand même. Si je cache... Oula! Ah oui! La violence! J'aime! J'aime ce que je vois! Vous voyez... Je suis prêt à vous servir. Séquence 7, Lexington et Concord. Montre-nous tout ça.
On est pas mal hein, niveau défensif. Il y a en tout cas une bonne base. Campez sur vos positions. Laissez-les tirer les premiers. Mais s'ils tiennent vraiment. S'ils tiennent très en forme, la guerre, monsieur. Qu'elle commence ici. Pitcairn. On est un petit peu en. Dispersez-vous, maudit rebelle. Posez vos armes et dispersez-vous. Que faites-vous, lâche? Donnez vos positions. Bon, bah ça a été rapide au moins. Ils ne reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qu'il te reste. Ne me dis pas comment je dois. Ripostez. Ripostez. Mais t'es tout seul en fait. Vous êtes trois cons là. Comment dire trois cons versus une armée? Pour prévenir les autres. Montre ça à celui qui commande la garnison. Ce devrait être un homme du nom de James Barrett. Allez, vas-y. Ouais. Il est pas bien, monsieur. Vite! Allons chercher du soutien, monsieur. Dada! C'est con, j'aurais bien tapé, tabassé tout le monde. Je pense qu'on avait clairement les capacités pour. Attends, est-ce qu'il faut couper dans la forêt ou est-ce que c'est un mauvais plan? Parce qu'on sait comme ça finit en général. Et globalement, c'est rarement bien. Allez, le cheval. Espèce de feignasse. Il a à peu près la vitesse de... d'une baleine sortie de l'eau. Il n'a pas spécialement de sang, je t'avoue. Je veux bien reconnaître. Mais globalement, il n'y a pas spécialement d'effort. C'est y a pas de fight, y a rien en fait, c'est totalement inintéressant. À l'aide, qu'est-ce qui se passe? Ah clairement on n'est pas autant j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant, autant là on n'est pas sur la mission la plus intéressante du monde. Sortez, courir après 4 ou 5 maisons pour leur dire ils sont là. Bon après courir pour dire ils sont toujours là, venez nous aider. C'est pas sauver l'otage, rien à foutre. Je mets tout droit monsieur. On s'en fout, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que des civils, ils ont pas de valeur. C'est pas eux qui vont nous aider à se battre. Bah là j'appuie sur RT, c'est RT normalement pour aller plus vite. Et prenez. Ah ok, autant pour moi je crois que... Attends du coup ça... Ah moi j'appuie sur RT à chaque fois comme un con. Ça... Non, il faut appuyer sur RT quand même ou pas? Faut faire les deux? Ok, effectivement, merci monsieur. Oui. Le sang a coulé à Lexington. Et ce n'est qu'un début. Les tuniques rouges sont en marche. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes réunis? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper d'un genou qui veut essayer de jouer les héros. C'est pas très très gentil de votre part. Je me porte garant de lui. John Parker aussi. Genre, tiens, il est genre dans plein dans la tête. Tu vas le lire. Et tout de suite, monsieur. Où est Revers? Ils l'ont pris. Quoi? Ne crains rien. Il a l'habitude de se retrouver dans le pétrin. Il s'en sortira, j'en suis certain. Tout ira bien pour lui. Bien sûr, c'est vrai que ça part pas vous du tout. Vous avez fini vos commérages? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. Alors j'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Quand la bataille commencera, nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concorde. Ces braves gars ne se sont jamais battus. Ils auront besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à la hauteur. On va enfin faire couler du sang? Moi, ça me correspond plutôt bien. Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. C'est un petit peu l'idée. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Eh bien. Ils arrivent enfin. Putain, il y a du monde. C'est vrai que là, tout seul, c'est peut-être compliqué. Monsieur! Tous aux barricades! Toi, veille à ce qu'on tienne ces positions. Si les diables rouges passent, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après, l'ennemi tirerait le premier. J'ai compris. Et si le moindre de ces porcs parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. Ok, il faut leur dire quand tirer. Sauf que j'ai pas trop compris l'histoire de ligne de feu. Je vais faire quoi?
Alors, soldat vaincu, pas trop tristé. Je dois leur dire quand tirer, mais tirer où? Je vois rien. Ah, quand je les vois passer. Ils peuvent tirer là quand même. Merde, je sais pas quel bouton. Mais tirez, bande de cons! C'est quel bouton? C'est pas comme d'habitude? Oh merde, fallait venir ici en fait, fallait être dans la zone. On m'a prévenu aussi, je pouvais pas le savoir! Et je vais juste attendre que les gars viennent pour se faire buter? Je m'attendais à un combat plus épique. Bon, vous allez bien? Vous allez bien. Allez, messieurs! On va y arriver! Allez, on les abat! Il y a des civils à aller tuer, à sauver là-bas, mais. Est-ce que je suis vraiment censé aller là-bas? Parce que sincèrement. J'y vais pour les fighter ou pas? Parce que rester là, c'est complètement chiant. Et ça va être long. Le problème, c'est que je suis pas dans la zone, je peux pas donner l'ordre de tirer. Il y a trois endroits à regarder. Ah, tu vas passer d'un côté à l'autre. C'est exprès pourquoi je me fais chier. Je tire sur qui? Je peux tirer sur qui? Ok, donc je peux passer d'un côté à l'autre. Ce qui donne déjà un peu plus de fun, effectivement. Vous avez bien raison. Et du coup, l'autre passage, c'est où? Attendez le signal. Mais tirez, bande de plofs! Enfin, c'est le moment! Vite, de toute façon, ça va tirer. Eh, faut les abattre. Ils tirent ou pas? Il y a 10 ans. Attendez le signal. Je vais pas tirer, prenez-vous pas la tête, ils sont tous en face de vous là. Attends, mais ils ont raté qu'ils sont foutus. Tirez, bande de plots! Vous allez crever! Ne tirez pas! Ouvrez le feu! Je t'avoue que j'ai pas trop compris la stratégie. De toute façon, là, sur les côtés, en fait, il y a pas de tirer, ils peuvent faire quoi? Parce que les gars sont juste en face d'eux, donc de toute façon, tirer. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. D'accord. Ah. Ouais. C'est très chiant. Puis mon cheval qui. Allez! Ah, c'est bon là? Allez, petit cheval. Je sais que Attendez tu peux le faire. Allez. Je sais que tu. Si on le perd, je vais clairement avoir les boules. Parce que c'est très chiant. Ne tirez pas. Le fun est totalement inexistant, voyez-vous. C'est pas possible. Préparez-vous. C'est complètement de la merde cette mission. Du début à la fin. Voilà, bon. Tu t'amuses à passer d'un côté à l'autre pour dire feu. C'est qu'ils sont trop cons pour se dire hé. Hey, on va peut-être tirer, il y a des méchants en face de nous. Faites feu. C'est bon. Faut tirer. Allez. Allez, on y croit. Allez. Repliez-vous. Repliez-vous. Qu'est-ce que c'était drôle. Ça, c'est de la mission, monsieur. On ne veut plus souvent, on est comme ça. On a réussi. Il part en retrait. Voilà. C'est bon, messieurs, on peut leur casser la gueule. On peut y aller tranquillement. Parler à James Barrett. Allons lui raconter. On va papoter ensemble. Tu vois, ça me le remet là. La bande verticale, à peine s'est agrandie. Mais quand elle est pas agrandie, c'est bizarre. Toi, elle a disparu. Mais quand elle est pas agrandie, c'est. Je sais pas ce que c'est. Faut être un monstre pour commettre un tel acte. Un barbare, monsieur. J'aurais dû frapper quand je le pouvais. Mais tu l'as pas fait. N'a pu se rendre. Il est sans doute retourné dans le giron des Anglais pour regrouper ses troupes et préparer son prochain massacre. Je dois le retrouver. Plus je tarderai, plus il fera de victimes. Sois fier, mon ami. Beaucoup d'hommes ont survécu à ce combat grâce à toi. Que dire de cela? Faisons de notre mieux avec nos moyens. Il n'a rien à foutre. La vie humaine pour lui n'a aucune valeur. Tu dis vrai.
Oh, mais c'est quoi là? Vous avez pris quoi de bon? Bon, bah écoute, c'était un plaisir de courir avec un cheval et de tuer absolument personne. Je me suis amusé comme un petit fou. Y'a pas à dire. Bon, mission accomplie, c'est le plus important. Donc, allez, go. Avance-nous ça. Je sais pas combien de temps il faut. Le soutien d'une glorieuse cause. Séquence 7. Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. En vérité, je ne vois pas meilleur homme que lui. Je prie le Congrès de croire qu'aucune considération pécuniaire. Il y a 12 séquences. Et on est à la 8, on a fini la 7, je sais plus. Au prix de mon bien-être. Je doute que vous vous en souveniez. Bien, Connor, je veux te présenter à quelqu'un. Je tiendrai un compte exact de mes dépenses. Désolé de t'éloigner ainsi. Je ne doute pas que le Congrès ne les acquitte. Mais la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que tu te battes avec lui. Connor, arrête de vouloir fracasser tout le monde. Je vais te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Oh. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Il ne semble guère ravi que ce commandement lui ait échappé. Ce fut un réel plaisir, Connor. Mais merci à vous. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn. J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston, en compagnie d'un millier de tuniques rouges. Le seul moyen pour toi de l'atteindre, c'est de le faire sortir de sa tanière. Tu as pour nous, un millier, c'est beaucoup. Nous allons justement lancer une offensive contre la ville. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au camp de Bunker Hill, aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Pitcairn est un véritable fléau. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. J'en pense autant au sujet de Charles Lee. Tu parles là d'un tout autre animal. On s'occupera de lui un autre jour. Un problème à la fois. Bon, peut-être pas tabasser tout le monde. On va se calmer. Faut pas abuser. Bah, parfait, messieurs. Petit risotto poulet sep. Oh, c'est bon ça. Vous ne faites pas les choses à moitié, dis donc. C'est le grand luxe. Est-ce que je peux... C'est quoi l'indicateur de... Je sais pas, pour en sortir. Est-ce que je dois me refaire 14 téléporteurs pour rentrer là où il faut ou c'est bon? Parce que bon, on commence à le connaître, le jeu. On a compris son fonctionnement. Ok, je peux y aller à pied. Il y a un petit bout, on peut y aller. A priori. Est-ce qu'on tente... Est-ce qu'on a un bonhomme? Ça passe. Ah, je t'ai dit. Faut pas avoir peur, faut savoir se lancer dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Par contre, des fois, ça pique. Ça peut piquer les mollets, voire les tibias. Mais au final, ça passe. Ah merde, attends, non. J'avais tout là-bas, mais c'est loin. Puis j'ai même pas de... Attends, peut-être arrêter d'utiliser mon... J'ai pas des flèches. C'est bien les flèches aussi. Bon, c'est moins pratique, je t'avoue. Mais bon... Est-ce que j'ai le tir automatique? Il me semble, si je fais ça. C'est vachement plus facile. N'est-ce pas? Regarde-moi. Petit lièvre découvert. Bah j'ai toujours pas de cheval normalement. Non, je n'ai toujours pas de cheval. Ah si, je peux la... Ah non, si, c'est bon. Je peux enfin appeler un cheval. Vous avez raison, ouf. Est-ce que je peux reprendre mon arc, merci. On a enfin le cheval. Il aurait juste fallu être patient. C'était on l'avait pas. On avait point. Moi, petit burger, monsieur. D'ailleurs, on verra, je pense, pour manger, je vais mettre un... Faut une mini-pause. 10-15 minutes, en train de manger tranquillement. Plutôt que manger en live. Donc ça, je mange tranquille. Et après, on continue, parce qu'on peut essayer de finir le jeu aujourd'hui. Le truc, c'est que... À 4h30, par là, je crois qu'il y a la coupure de courant. Qui est censé durer 15 minutes, mais ce matin, elle a duré 45.
Donc je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si en coupant la cam, en levant la lumière, tout ça, le PC réussira à tenir. J'espère. Halt ! Que venez-vous faire ici ? Juste casser la gueule. Rien de plus. Je vais te fracasser la tête. Séquence 7, conflit imminent. Donc on a encore séquence 7, il y en a 12 en tout. On lance la mission, monsieur ? Let's go ! Je viens voir Israël, Putnam. Sur ordre de qui ? Tu vas te calmer, Samuel gamin. Adams. Faut te détendre. Sinon, on va pas être potes. Mais il a l'air charmant, cette personne. Il a l'air complètement sympathique. Il est plein d'amour. C'est pas Bunker Hill. Ah. Non, c'est Bryn Hill. Il y a eu des accords sur l'endroit où nous devions camper. Des nouvelles de Boston ? Les Tories ne bougent pas. Chaque fois qu'on les approche, on y laisse des soldats. Quand on est tout tendu comme ta gueule, on essaie d'être aimable. C'est la moindre des choses. Mais allez, saleté, avance. Que sais-tu de John Pitcairn ? Cette vermine est le plus malin du lot. Il vient de temps en temps nous provoquer ou nous saigner d'une salve d'artillerie. Mais nous tenons bon. Il ne va pas tarder à avoir ce qu'il mérite. Ouais. Je suis pas forcément convaincu, je t'avoue. J'ai toujours des petits doutes quand même. Oh, il y a des petites vachettes. On peut dépouiller les vachettes aussi ou comment ça se passe? J'imagine que non. C'est pas juste. Pourtant une grosse côtelette de vachette, c'est bon. Voyez-vous, c'est vachement bon. Ouais, je vois que je suis plusieurs qui ont le même problème là, qui se plaignent, qui arrivent pas à voir le live, ce qui est très chiant quoi. Ce qui est particulièrement chiant. J'aime quand Twitch fait de la merde. Mais aussi de leurs canons. Nos ordres ont été émis par des hommes si étrangers à notre situation que nous avons été contraints de nous déterminer selon nos propres facultés. Ah mais c'est le combat, attends, j'ai pas tilté le... Traitrement à ce que vous venez de dire. Les bruits. J'étais en mode, putain c'est bruyant par ici. Il y a une raison. Je vous avais prévenu. Je retourne sur Bunker Hill. Bien bonjour, messieurs! Général Putnam! Quoi? Putain, il a la confiance, je cherche John Pitcairn. On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Il s'est retranché au cœur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir. Tant que ce navire continue de nous pilonner, nous sommes impuissants. Mais si ses canons se taisaient? Alors ce pauvre John devrait probablement venir se montrer. Je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi, je ferai un beau discours à vos funérailles. Et son principe, il a pas tort. C'est plutôt compréhensible. Bon, du coup, je vais faire quoi? Rejoindre le navire 80 mètres par ici. Oh, j'ai tellement faim, j'en peux plus. J'ai faim de miam miam, monsieur. Attends, tu crois que c'est vraiment une bonne idée, là, de... C'est complètement débile, ce que tu fais. Complètement débile. On te l'a dit. Les PNJ, les GIF Fire. Ils ont tapé GIF Fire sur Google et puis ils l'ont posé. Littéralement, monsieur. Bon, du coup, on va être obligé de fight les délicieuses personnes en face. Ce qui promet d'être. Attends, qui est méchant, qui est gentil? Ah non, ils me tirent pas dessus, c'est bon, ils sont gentils. Ah, gentil. C'est relative la gentillesse des gens. C'est très... Les fameux insiders. Ah ben ça, monsieur, les fameux insiders qui vont annoncer 25 fois que... C'est bon, cette fois. C'est sûr. Je dois vraiment aller... Attends, je dis aller comment... Comment je dois aller là-bas? Sur les bateaux, tu crois, là? Je dois nager tout ça? Attends, je dois vraiment nager une telle distance? Ça paraît bizarre. Si c'est le cas, c'est quand même particulièrement chiant. Je dois vraiment y aller comme ça? Alors que oui. Attends, c'est des bateaux, il n'y a pas 25 000 solutions pour y aller. N'est-ce pas? Bon,
Bon, écoute, allons-y. Allumer la poudre dans la cale du bateau. Enfin, ok, je mets juste un explosif, j'imagine. On se prend pas trop la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je pense qu'ils vont moyennement apprécier ce que je suis en train de faire. Je vais pas dire... Non, mais j'appuie pour... Mais non, 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 non. Non, non, toujours plus. Non, ça va pas changer. Je suis vraiment obligé de leur faire du mal. Parce qu'en fait, ça me fait un peu chier de devoir failler tout le monde. Quand la subtilité peut être la meilleure des armes. Aïe. Attends. Ou alors... T'as une arme? Ah oui, d'accord, ça fait pas grand-chose. Bon, comment... C'est quoi le meilleur moyen de tabasser les gros, là? Ils sont extrêmement chiants. Je fais comment pour exploser ça, d'ailleurs? Parce que bon... C'est pas pour dire. Parce que le problème, c'est qu'ils ont pas spécialement envie de mourir, ces gens. Attends, c'est bon. On va... Est-ce que j'ai quoi sur moi? Ah, le Tomahawk, ça reste le... Le truc le plus efficace, mais c'est long, c'est long. C'est bon, j'ai fait le plein. Comment je dois défoncer ça? Descendre? Non? Reculer. Ça va juste m'ouvrir la porte ou est-ce que ça... C'est bon? J'étais avec mes poings là, t'es sérieux? C'était facile. J'ai cru que j'ouvrais juste là, J'ai cru que j'ouvrais juste là. La cage là. Je vais pouvoir rentrer dans la cale. J'ai pas compris que ça allait faire péter le bateau entier. Je pensais juste ouvrir la cale. Tu sais, le truc en métal là. J'ai posé juste une petite bombe à la con. Bon. Donc on saura qu'il faut. Ouais, non? Oh, dis donc, si jamais avec le Prime en ce moment, il y a 4 mois. Ah non, mais c'est Amazon Music, c'est pas le Prime. J'ai rien dit, je sais plus si c'était le Prime qui était gratuit 4 mois, pas du tout, c'est le Prime Music. Donc on s'en fout littéralement, monsieur. Parce que bon, qui utilise Prime Music? Attends, tu peux arrêter de me taper dessus? Non, pas envie. Attends, parce que je suis en train de prendre très cher en fait, je t'explique le principe. Je suis en train de prendre très très cher. Ok, bah je suis mort. Tout à l'heure il est pas trop mal géré, mais là je le gère extrêmement mal. Attends, tu peux courir? Comment je pourrais faire? Parce que si on prend de la hauteur. Ok, ça a pas l'air spécialement mieux. Ouais. Je suis coincé. J'ai un problème. J'ai un problème de type. On s'en sort comment? Bon, ils me font des pseudo-tirs dessus qui servent à rien. Oh putain, j'arrive pas à les toucher. J'ai le droit de rager. Bon, on va les fight, je sais pas quoi faire. Essaye de tabasser au moins les... C'est con, on avait... Ok, non mais ok. Pas de problème, pas de problème. Ça me paraît tout à fait cohérent tout ça. Allez, c'est bon, on peut le faire là. Le gros est mort. Il a juste à pas foirer. Mais c'est con, si on avait fighté tout le monde comme il fallait là. T'as la caméra, c'est chiant. Des fois, tu vois pas le truc d'attaque. Tu peux pas le savoir. Allez, par-dessus bord, monsieur. Pas que ça a à faire non plus. Bon. Il y a 3 bateaux comme ça à flinguer. Bon, donc cette fois, on récupère du loot pour se remettre bien. Et on va tabasser, on saute du bateau. On fait pas l'erreur 2 fois, d'accord? Ça serait putain. Attends, je manque de flèches. Je manque légèrement de flèches. Est-ce que vous pourriez peut-être éventuellement me filer des trucs? Non, d'accord, c'est pas grave. Donc là, on pose ça. Et on se barre tout de suite. Le gros compteur rouge clignotait, oui, mais Taylor aussi clignotait, et c'était juste une petite explosion. Quand j'ai pété, je sais plus quoi d'autre, là. Donc bon, tu vois ce que je veux dire. C'est à moitié responsable. Bon, d'accord, on est à 90% responsable, ça va? Ça suffit? Non, oui, peut-être, éventuellement. Tu veux monter? Non, tu veux pas monter? Ça serait gentil. Sur une réserve de poudre. J'avoue que j'aurais pu anticiper que la réserve de poudre c'était pas le meilleur plan. Je reconnais mon erreur. Non. Non, 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 j'aime pas ce que je vois. Attends, proposition.
Est-ce que tu pourrais... Attends, comment je suis de germe? Est-ce que je pourrais... Voilà. Je pourrais tuer des gens. Ça serait très bien. Voilà, j'aime les enchaînements de personnes. J'aime quand ça s'enchaîne proprement, quoi. Regarde-moi ça. Cette propreté absolue. Voilà. On a fait des petits morceaux, monsieur. Je lui dis donc. On reprend nos munitions. C'est bon? Munitions, ok. Non, monsieur, jamais de la vie. Vous êtes enragé. Ah, mais j'ai de nouveau le bug, la caméra. Ah, je peux pas. Ah, bah, c'est bon. C'est chiant quand elle part en couille quand tu ramasses des trucs. Faut pas déconner non plus, monsieur. Oui, les MacBooks des 5 dernières années, c'est de la merde. On est totalement d'accord. Vous voyez? Je dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ah, peut-être que je saute là, par contre. Non, 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 non. C'était un peu juste. Oh, je dois remonter là-bas. Vraiment, les gars? Vous êtes pas très arrangeant non plus. Clairement. Vous faites pas d'efforts. Allez, vite. Non, s'il te plaît. Peut-être, éventuellement. Non, mais... Allez, le jeu. Voilà, merci. C'est gentil. Je savais que tu pouvais le faire. Fallait juste avoir confiance en toi. Déjà fini? Comment ça, déjà fini? Qu'est-ce qu'on peut par déjà fini? Ah, la fin... Non, le titre. Bah, on essaie de finir aujourd'hui. Là, on est vers la fin du chapitre 7. Il y en a 12. Attends, est-ce que tu peux monter? Tu peux pas monter? Non? Là, t'es comme un con, en fait. Faut que tu fasses quelque chose. Merci. Le Nintendo de la téléphonie hardware. Vous êtes les pires! Les pires, monsieur! Et d'ailleurs, par rapport à Nintendo, à la conférence, ils ont bien précisé exclusivement, apparemment, sur les jeux. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'y aura aucune annonce? Moi, à mon avis, elle n'est pas prête d'être annoncée. Surtout qu'il y avait une grosse rumeur à l'époque comme quoi l'OLED, l'écran OLED de la Switch Pro. Ah! Je pensais bon, miam miam, j'arrive! Du coup, il est où ce délicieux petit truc que je dois mettre? Non, parce que bon, on a peu fait une petite pause pour manger. Je te cache pas que je suis plus trop dedans. C'est là? Et c'est de nouveau pareil, c'est exactement quand tu changeais les drapeaux aussi dans Black Flag. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressemblances, n'empêche. Je pensais pas qu'il était tellement ressemblant déjà à l'époque. Parce que les gens se plaignent que le jeu, ils reprennent à chaque fois la même chose. Mais en fait, il y a déjà 15 ans en arrière, c'était déjà tout pareil. Et ça a absolument jamais évolué. Je vais vraiment devoir taper tout ça à nage. Un plaisir, monsieur. Allez, mon petit. Comment je fais pour aller vite au moins? Je peux pas accélérer? Parce que ça va être long. Non, c'est bon. C'est tout bon, enfin. Vous êtes le pire, le chat. Le pire. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de finir? J'aimerais bien pouvoir le terminer. Comme ça, demain, on se fait du Battlefield. Ah merde, du coup, le lard, il m'a pas dit quand. Il est plus là, je pense. Il m'a pas dit quand est-ce qu'il voulait faire du Battlefield. Petit Battlefield. Du coup, faut venir, monsieur Krix. Monsieur Ferret, vous jouez pas à Battlefield aussi? Qui joue à Battlefield? Un petit BF4, là. Il est gratos avec le... Avec Amazon. Il a plus de troupes. Mieux armés. Mieux entraînés. Ouais, mais on a cassé son bateau, donc tout va bien. Mais je n'ai pas peur. Et vous ne devriez pas non plus. Ça, c'est à toi de finir. Du matériel, mais il manque de talent. Nous n'en manquons pas. Nous avons la discipline. L'ordre. Et surtout, la passion. Si tu veux, mais let's go, parce que... Beaucoup de bruit, là. Alors restez vigilants. Économisez vos munitions. Assurez vos lignes de tir. Et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Être sûr de ne pas les rater. Chaque munition est précieuse. C'est vrai que du coup tu vas avoir une gestion, parce que toi maintenant tu tires, peu importe où tu le vois, le gars, tu tires, tu réfléchis pas, t'as plein de balles et puis ça fait mal. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour que la pénétration soit effectivement forte, etc., il fallait vraiment être super proche. Vous avez réussi. C'était compliqué, il fallait une gestion de timing. Discours. Un tas de mensonges, j'en ai peur. Mais les paroles nous ont menés jusqu'ici. Et pour Pitcairn?
qui a quitté Boston. Comme je l'avais dit, il a dressé son camp sur Molten Hill. Mais il n'existe aucun moyen de l'approcher. Pas avec la tempête qui gronde en contrebas. Vous pourriez... Ils ont oublié de le remasteriser, ça, on est d'accord. Qu'on éclaircisse leur rang. On est d'accord qu'ils sont littéralement en train de montrer une vidéo qui avait été enregistrée à l'époque. Puis ils l'ont pas remasterisé, ça leur a fait chier de refaire le truc. Ils devaient pas avoir la source du montage. La seconde fois en ce jour que vous fomentez l'impossible. Ils ont sorti la même la vidéo d'époque. C'est pas possible. C'est parce que vous êtes aussi fou qu'un lièvre de Mars. Vous me ferez des excuses à mon retour. On est bien trop beau pour être remasterisé, monsieur Squall. Pas besoin de ça, nous. On est au-dessus. Vous êtes juste un rageux. Traverser les champs de bataille. Écoute, je te cache pas que j'ai plutôt... Je pense que ça a été sacrément horrible à l'époque. Vraiment, des gens qui ont vraiment vécu ça. Laisse-moi avancer, bordel! Non, non, faut descendre, faut descendre. T'imagines l'horreur du truc? Par contre, les gars, je peux récupérer un peu de vie ou pas du tout? Je te cache pas que j'ai pris cher. Par contre, le son m'explose les oreilles. Ah! Je suis censé faire comment? Parce qu'en fait, je prends un coup, je suis mort. Et j'ai pas mal ma vie, je fais comment pour pas mourir? Faut avoir des textures. Vous êtes un rageux! Je fais comment, moi? Je récupère pas de vie, putain! J'ai un mec qui part. Comment je pourrais faire? Je vais crever! Je comprends pas au niveau des timings sur quoi je dois me baser. Où sont les ennemis? C'est bon? Il y a 2-3 gars sur le côté. Oh là, non, 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 non. Oh là, non, non, non. Oh bah, je suis mort. Oh non, au moment où je récupère ma vie. Juste au moment où je récupère ma vie, je me fais avoir comme un con. J'attendais 5 secondes de plus, j'étais full vie. Encore, en plus, la cam absolument parfaite. Vraiment idéale pour contrer les gars. Là, si je réussis pas à voir quand m'attaque, c'est vraiment que je me mauvais. Pourtant, le jeu fait tout ce qu'il peut pour m'aider, pour me rendre service. Tu fais quoi? Mais bats-toi, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il fout, cet abruti? Je veux dire, j'ai aucune chance. Je suis censé faire comment? Je propose de se barrer, c'est bien de se barrer aussi. C'est un concept. Dans l'absolu, pourquoi toujours vouloir se battre? Peut-être qu'ils sont juste trop en fait pour que j'aille me battre. Ah! Ah! Les gars, j'ai un problème de type... Vous m'avez pas prévenu? Comment je... Putain, mais... Tu veux que je... Hein? Comment je monte là? Ici? Je vais me faire abattre comme une chienne, n'est-ce pas? Oula, ouais, je confirme. Je prends une balle, je suis mort. Heureusement qu'ils savent pas trop tirer. Non, 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 non. S'il te plaît. Bah, tu vois. Ah, c'est par les arbres qu'il fallait monter. Mais nous, on est au-dessus de ça, monsieur. On est au-dessus de ça. C'est surfait. Attends, prépare-toi à être un ninja. Et un ninja gagne toujours. Tu veux pas te. Tu dis pas que tu veux te rabaisser dans la forêt pour être utile? Non, d'accord. C'est trop temps demandé, je comprends. Tu veux pas faire quelque chose là? Qu'est-ce qu'ils font? Putain, mais je vais crever comme une énorme merde! C'est quoi cette mission? C'est horrible! Peut-être que je dois juste pas me faire chier en fait. Juste aller leur casser la gueule. Aïe, non. Parce que dès le moment où il est mort, ça va me téléporter, je crois. Donc si je lui casse la gueule, même s'il y a 14 gars autour de moi, on s'en fout. Non, non, contrer. Contrer, j'ai dit. Oh, putain, ils vont utiliser. Prends le gars, prends le gars, prends le gars. Ah, parfait. J'en préférais prendre le monsieur là. Ça m'aurait simplifié les choses, j'avoue. Ça m'aurait clairement simplifié. Allez, meurs, meurs, meurs. T'as plus d'armes, t'es un homme mort. T'es un homme mort. Allez, on peut le faire, messieurs. Par contre, la cave elle est chiante, elle part dans tous les sens. Sauf là où je veux aller. Merde, il a récupéré son arme. Ce qui... Mais la caméra, je vois rien! Fais des efforts aussi, bordel! Mais comment tu veux que je me batte? Putain, il y a aucun effort, bordel de merde! Non, je vais crever, il y a trop de monde! Vite, cours, 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 cours! Cours, cours, cours! Sur qui je dois tirer?
faut faire comme avec les zombies. Tu fais comme les jeux de zombies, un Call of Zombies. Tout pareil. Ça marche. Attends, c'est quel le méchant? Parce que le problème, c'est qu'ils sont tellement... Ok, c'est celui-là. Comment je peux faire? On est vraiment comme un Call... Regarde, c'est vraiment un mode zombie. Bienvenue sur Assassin's Creed Zombie. Allez, les gars. Attends, je peux pas recharger. Si moi, je pouvais recharger. Je pourrais au moins essayer de lui tirer dessus. Allez, recharge. C'est bon, t'es rechargé? Non, mais il a pas rechargé, ce con. Allez, recharge. Voilà, on va essayer de faire ça de manière subtile. Non, non, non. C'était pas du tout ça que je pensais. Au pire... Attends, essaye d'en éliminer quelques-uns. Tant qu'ils sont pas 14 autour de moi, ça va. Non, 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 non. Je peux pas... Comment je fais pour le prendre son corps, là? Pas qu'il me tire dessus. D'accord, non, c'est la merde. Je suis censé faire comment, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ce bordel? Je vois tout le monde qui fait des trucs un peu chelous. Allez, 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 allez. Non, c'est pas le bon. C'est toujours pas... On est vraiment sur du zombie. En fait, faut juste tourner en rond. Et puis... Oh! Regarde, c'est ce que j'ai vu? Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu? Aïe, saleté. Est-ce que... Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'était sur le tonneau, là. Tu tires sur le tonneau, c'est le feu. Allez, tire. Non, 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 non. Le tonneau, le tonneau, le tonneau. Mais non, mais putain, il a toujours pas fini de recharger, c'est pas possible. Mais recharge, espèce d'énorme feignasse. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Zombie, on n'oublie pas le mode... Oh, il a tiré sur son pote, magnifique. Ça serait tellement badass de pouvoir lui faire péter le... Ça. Non, mais non, c'est pas ça que je veux. C'est le truc de poudre. C'est ce putain de truc de poudre. Vas-y, 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 vas-y. D'accord, bon. Est-ce qu'il y a une chance que je chope le truc en poudre sans que le gars me soit littéralement collé dessus? Au pire, on le fight, c'est bien aussi. Je suis en train de me dire, en fait, il est tout seul, pourquoi on s'emmerde? Ouais. Il y a un moment, faut peut-être se prendre la tête pour rien. Voyez-vous. Et regarde. Mais non, mais... Ne visez pas du tout. Faut viser forcément pour les items comme ça. Non, parce que moi il me le proposait, il le mettait en surbrillance. C'est juste que dès qu'il y a un ennemi qui arrive proche, bah ouais. Pourquoi? Il me reprend le dessus malheureusement. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi je pour protéger Adams et Hancock et ceux qu'ils servent. Vous vouliez les tuer. Les tuer? Vous êtes fous. Je voulais négocier. Il y a tant de choses à dire, à expliquer. Mais il est trop tard désormais. Si vous dites vrai. Je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Ces choses prennent du temps. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler. Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les ficelles. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être libre. Pourquoi cet écho bizarre? Et nous devrions tous vivre dans le pays de nos songes. C'est très moche, hein. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Il n'a pas tort. Et d'autres vont mourir par ta faute. Sahoyu yanere ne otenam da setakwe. Tinio ne yaho tena tam da setakwe. C'est joli, mieux vaut croire quelque chose que ne croire rien du tout. Ça a son charme, ça a son charme. Par contre, c'était vraiment le mode zombie là, c'était incroyable. Ah, mais totalement, monsieur Didi. Totalement! Comment osez-vous me surprendre comme ça? Putain, c'est la vie et la mort. Allez, ouais, allez, mais les autres fois, il avait pas cette. Je sens pas qu'on avait ça avant. Jamais ça, compris? Nom de Dieu! Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant depuis Kern. Et d'ailleurs, un putsch, un putsch. Féliciter. Est-ce que c'était le nom d'un général qui avait fait ça, le premier à avoir fait un grand putsch ou. J'ordonne le repli. C'est quoi l'étymologie du mot? Nous perdons. On se pose des grandes questions d'un coup. Si peu ici. Si les touristes tiennent tant à cette colline, je leur laisse. C'est pour Boston que nous mourrons. Ah, le choix de la. Peut-être même avant ça. Que voulez-vous dire?
J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington. Mon Dieu, pourquoi ? Comment ose-t-il ? George Washington lui-même. Bon bah du coup, mission réussie. Faut juste être patient, messieurs. Mais on l'avance. Séquence 7 terminée. On passe à la séquence 8. Du coup, il nous en reste 4. On est aux deux tiers du jeu. L'ennemi est tenace. Quand l'argent lui a manqué, il a eu recours à la force. Mais j'ai tué Johnson et Pitcairn et mis fin à leurs méfaits. George Washington a rallié les colons, et leur marche vers la liberté vient maintenant de commencer. Je ne suis pas surpris que les Templiers veuillent sa mort. Ils pensent faire de ces terres un pays froid et servile. Un pays sans âme. Et Washington est un obstacle. Je dois le sauver pour laisser prospérer sa cause et assurer la survie de mon peuple. Mais plus j'agis, plus je cours le risque d'être découvert. Les Templiers pensent que les leurs sont morts à cause de la Révolution. À leurs yeux, les assassins sont partis, ou trop isolés pour s'opposer à eux. Mais je crains qu'ils ne découvrent bientôt la vérité.